Dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les super vilains aussi. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku Midoriya, lui, n'a qu'un rêve. Entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20% d'humains à ne posséder aucun pouvoir. La nouvelle génération de super-héros débarque enfin avec My Hero Academia, un manga des éditions Kiyun. Bon, on va voir ça. J'espère que ça va me plaire, sinon ça va chier. Moi, les amis, là, j'ai fini de bouffer, là j'ai bouffé comme un gros. J'ai tellement bien mangé, hein. Oh putain, la bouffe il y a un demi. Là, on va regarder My Hero Academia, là je suis sur YouTube, heureusement qu'il y a la vidéo sur YouTube, genre le premier épisode, on va regarder ça ensemble, j'espère que je vais pas me manger un copyright, mais bon. Voilà, donc dites-moi si vous avez encore d'autres mangas comme ça, bien, parce que j'ai pas encore regardé, mais on m'a dit que c'était bien de ouf, alors on m'a dit, ah oh, c'est le manga du moment, surtout, hein, là il y en a un, il s'appelle Habib, oh putain, lui. Allez, niveau manga, il connaît tous les mangas. Tu dis un manga, s'il y a des filles, il n'y a que des filles dedans. C'est pourri, il va dire, j'ai déjà vu. Putain, je peux pas conseiller un manga, lui. Il a déjà tout vu. Des fois, il y a des gens comme ça. Manga, animé, il lit les scans. Genre, on a un niveau au-dessus, on n'a pas le même niveau. Voilà, allez, let's go. My Hero Academia. Donc, on m'a dit, ça parle, genre, c'est les héros. Et elle est tombée. C'est mieux que je regarde. Allez, 3, 2, 1, go. J'espère pas me bouffer un copyright hein, quand même. Hein. Bon, allez, let's go. J'espère que c'est bien. Hein. Non, ça va chier. Hein. On m'a dit c'était bien. Donc là, c'est en voice FR. Hein. Quelqu'un s'est interposé. On parie ou pas? On fait les paris tout de suite. J'ai rien dit. Hitoa. Umare nagara ni byoudou janai. Kore ga yoai 4 sai ni shite shitta shakai no genjitsu. Soshite boku no saisho de saigo no zosetsu da. Non plus, à mon avis, c'est le héros principal. Hein. Genre un petit peu le Naruto. Izuku Midori. Midoriya. Ok, Midoriya. Quoi ça? Ah, opening. Pour moi, c'est important les openings. Hein. ケケ発光する赤子が生まれたというニュースだった。ベベルミヌ。以降、各地で頂上は発見され、原因も判夢と死ない Par contre, ça coupe un ferry. Ça coupe là. Genre en mode tout le monde a des pouvoirs, genre il y a le pompier, le policier, le... Oh,
Lui, il est stylé, lui. C'est moi ou je vois que des personnages genre le pouvoir, le gros là, on dirait Ah, j'ai oublié. Le mont. Montagne. Donc voilà, donc là c'est les origines de notre personnage principal, Midoriya. Il est en troisième. Genre, tout le monde a des super pouvoirs, genre. Et lui, il a rien, lui. What? Putain, c'est comme Naruto, c'est une dinguerie. Mon rêve d'être plagué. Ouais, on dirait trop Naruto. Non, je vais m'accrocher deux si c'est comme Naruto. Genre, il a un rêve. Moi j'ai faim. C'est pas tout, mais moi j'ai la dalle. Le tiroir magique avec de la bouffe dedans. C'est tellement bon. C'est tellement bien ce tiroir. C'est bon, oui, c'est transformé genre. Putain. Mon alter. Pourquoi il parle d'alter? D'alter, je sais pas quoi. C'est sans espoir. Ah non, ah ok, alter c'est le pouvoir, ok, je sais pas. Donc ils appellent ça, quand t'as un pouvoir, ils appellent ça un alter, un alter. Je peux pas. En fait, la tête qu'ils ont fait, ça me fait plus rire qu'en possible. J'ai arrêté de rigoler quand ça. C'est un truc émouvant, moi je suis là, je rigole. Mais regarde ça. Là, ils ont abusé sur les larmes. Ils ont. Non. Ils ont fait des larmes limitées. Il y a une rivière. C'est une rivière qui coule. Allez, c'est l'autre là, All Mike. Voilà. Tout à l'heure, on l'a vu. Je sais pas pourquoi ils ont des délires à faire des
Des dessins pareils, voilà, ça fait trop rire. Shit, il a dit shit là. Oh, Naruto aussi, c'est les... Ouais, même posture que dans les dessins de Naruto, celle-là. Mais ça m'empêche. Sur l'ending. Bon, j'ai mangé un copyright, je le sens tellement, je le sens tellement. Moi les amis, j'espère que la vidéo ça vous aura plu. Moi en tout cas mon avis sur le manga premier épisode, ça a l'air bien. Franchement ça a l'air bien. Parce que à mon avis il y aura des choses qui vont se dévoiler au fur et à mesure de du manga. Et si c'est un manga, regardez. Après là vu que c'est juste le premier épisode que j'ai regardé, je peux pas vous dire un avis avoir un avis fondé, construit. Mais pour ce que j'ai, pour le peu que j'ai pu voir, ça promet, ça promet. Par contre, il y a énormément de références avec Naruto, c'est pas possible. C'est un truc de ouf. À mon avis, le développeur, le dessinateur, il aimait bien aussi le manga Naruto. Là, je vois pas autrement. Même posture, le scénario, tout ça, presque pareil, presque identique. Ouais. Mais bon, voilà, pour l'instant, je continue à regarder. Par contre, dites-moi en commentaire si vous voulez, exemple, que je réagisse à un épisode en particulier. Je sais pas, peut-être un épisode que vous connaissez qui est bien de fou, une révélation, je sais pas quoi. Moi j'ai pas vu, je vais réagir avec vous. Voilà, dites-moi ça en commentaire et puis voilà. Moi les amis, j'espère en tout cas ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, ce sera important pour les référencements de la vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, vous connaissez. Sur ce, peace et profitez de la vie. Bon, moi je continue à bouffer, hein, j'ai faim.